la vie entre nous est si brève. Et vous, amusez-vous comme des fous. La vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici pas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Et vous, faites-les sans coup. Dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Et zou, amusez-vous, foutez-vous tout. La vie entre nous est si vraie. Et vous, amusez-vous, comme on est fou. La vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire des soucis. On n'est pas ici-bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Et vous, faites-les sans coup, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Et sous. Pour que la vie soit toujours belle, ah, que j'aimerais un quotidien qui n'annoncerait que de bonnes nouvelles et vous dirait que tout va bien. Pour ne montrer que les avantages, au lieu d'apprendre les décès, on apprendrait les héritages. C'est la même chose et c'est plus gai. Pour remplacer les journaux tristes, que ça serait consolateur de lancer un journal optimiste qui dirait à tous ses lecteurs. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie entre nous est si brève. Et vous, amusez-vous, comme on est fou. La vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici-bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Et vous, faites-les sans coup. Dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Et zou. Elle n'avait pas de parents, puisque elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue, si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non. C'est qu'est triste. C'est triste ça, quand même de ne pas reconnaître son enfant. Il faut pas être physionomiste. Il me semble que si j'avais un enfant, moi, je le reconnaîtrais. À condition qu'il me ressemble, naturellement. C'était rue de Ménilmontant qu'elle étalait son petit panier pour attirer les clients. Elle remuait un peu son panier. Mais un jour, un vagabond qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier. Voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons.
mais les gens, chose banale, ne voulaient plus que des crayons. Quand elle disait dans la rue qu'elle avait des crayons, ils disaient à l'inconnu, tes crayons sont pas bons, c'est ce qui est triste. C'est triste quand même. Elle avait plus de crayons. Forcément, elle se baladait avec son panier à découvert, n'est-ce pas? Alors, le vagabond, lui, bon, allez. Hop, il a pris tous ses crayons. Comme ça, elle n'en avait plus. C'est vrai qu'elle n'en avait pas besoin, puisqu'elle n'en vendait jamais, mais quand même. Un marchand de crayons en gros lui dit, viens chez moi, mon enfant, je t'en ferai voir des beaux, je ne te demanderai pas d'argent. Ce fut un drôle de marché, car c'était un drôle de marchand, et elle l'a senti passer, car elle en a eu un enfant. C'est triste quand même d'abuser d'une inconnue comme ça. C'est vrai qu'elle était faible aussi, c'est pas parce qu'il disait qu'il était marchand de crayons en gros enfin, elle avait un enfant, voilà. Elle avait bonne mine. Si seulement elle avait une mine de crayons. Mais non, mais c'est ça qui la minait. Alors, quand elle a vu ça, ben, elle a abandonné son enfant. Puis qu'est-ce qu'elle a fait plus tard, cet enfant? Ben, elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ce qui est triste.